What's up aujourd'hui? C'est fatigant, man. J'aurais dû écouter Joël, j'ai pas mis assez de graisse. Pas mis assez de graisse. Moi, m'a démonté ça, moi, checker voir qu'est-ce qui se passe. En fond, je comprends pas trop, là. Mon disque, il est chaud, là, comme si le galipeur était collé. La galipeur, là, floup, j'ai réussi à le lever, il n'y avait pas de trouble, j'ai mis un pad d'ici pour le bloquer. Il fait encore un il n'y a plus de pad, il peut pas y frotter sur le pad. Moi, je pensais que c'est ça le problème. Normalement, c'est ça les petites pins de con, même, le problème. Je sais pas trop, là. Je sais pas trop. En fait, si on regarde en arrière, on voit que dans la partie intérieure complètement du disque, là, il est comme mangé, magané. Tu es capable d'avoir. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est où mon doigt là, dans la caméra là? Ah, il est là-bas. Il devrait être en dedans ici, là. On voit qu'il est magané. Je me demande, il a l'air de frotter. Direct, c'est la backplate. Je pense que le problème, c'est la backplate. Fait que lorsque je vais m'enlever tout ça, m'enlever le disque, t'as pas cher à backplate, j'imagine, c'est pas trop, là. Deux affaires. Ben, je sais que les breaks, c'est pas censé être super compliqué, là, mais tu sais, premièrement, là, quand t'as déjà touché à tout, c'est sûr, c'est pas moi qui l'avais touché, c'est ma blonde, mais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le fait que les bottes aient été défaites il y a pas longtemps, là, pour vrai, là. Tu sais, n'importe quoi en mécanique, là, quand tu dis c'est censé prendre 5 minutes, ça en prend 1 heure. Puis quand tu dis ça va prendre 1 heure, ça prend 6 heures. Ça va jamais bien. Jamais bien. Puis bref, tout ça pour dire que c'est ça, j'étais bien content que ma blonde y ait touché, même parce que je m'attendais justement, tu sais, moi je me dis défaire tout ça, là, tu sais, tu jacques la roue, c'est 5 minutes, puis t'enlèves ça, c'est 5 minutes. Mais pour vrai, c'était 5 minutes pour de vrai, man, je suis quand même content. Fait que c'est ça, bref, tout ça pour dire, site, la place manger, je pense qu'elle fera du site, moi. Fait que c'est ça. En fait, là, ah ouais. Mon shield est tout pété, man. Faudrait qu'il y ait. Oh, faut attention avec mon galopeur, mais. C'est ça, c'est parce que là, dans le fond, ici, là, il est tout. Ici, il est fendu. Normalement, il devrait aller comme ça. Là, du fait d'être fendu, il se ramène un peu par en avant. Du fait d'être ramené un peu par l'avant, il frotte là-dessus, mais en tout cas. C'est ça. Je vais tout faire de quoi avec ça? Si je pousse en bas, c'est en haut qui revient ici. Fait que. Quasiment le goût de l'arracher au complet, ça. C'est là pourquoi protéger le disque, on s'en fout. Oui, cette partie-là du disque qui est pas protégée. Fait que l'arrière non plus sera pas protégé. Oh shit, ok! Bon, bonne affaire, ça. Ça, c'est la mécanique la plus simple ever. Tu penses que ça va prendre? J'ai même pas eu le temps de me demander combien de temps ça allait prendre, puis ça a pris 3 secondes, ça. Je suis bien content. Fait que là, on va tout réinstaller, puis je vais essayer cette merde-là, voir comment ça marche. Fait plus de bruit, ça. C'est ça, coche, mon chum. Ça, on va pouvoir faire des reclos avec le peu de tailleur qui me reste. Mais mon petit mec, sont beaux. Dans le fond, j'ai l'impression d'avoir 3 minutes de vidéo. Au début, je pensais pas rien filmer. Puis je me suis dit, en fait, tu sais, là, on est jeudi. Fait que lundi, mardi, mercredi, j'ai joué à SnowRunner. À soir, j'avais le goût de jouer à SnowRunner. J'ai juste plus le goût de venir au garage. J'ai le goût de gamer parce que c'est mon nouveau jeu, tu sais. Fait que c'est ça, mais là, j'étais comme, ah, je t'allais que ça crie, cette poubelle-là. Je m'arrange ça, on va faire ça vite à 1 heure, je m'envoie chez nous, man, pis, c'est ça, tu sais. Je pensais pas faire de vidéo, là. Je me suis dit, bah, on va faire une vidéo parce que, pourquoi pas, tu sais, même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je me suis dit, tu sais, daily life a jiggy rap, man. Shit happen. On fera pas juste faire des vidéos, oh, je change les breaks, pis après ça, mettre plus de nouvelles, tout va bien. Non. On est dans la réalité ici, hein. Fait que, change les breaks, ça marche plus, ben là, je vous le cacherai pas. Si, ça faisait du bruit, man. Fait que c'est ça, man. J'étais genre, bon, tu sais, après ça, on verra, man, si c'est parce que les guide pins sont mal lubrifiés, si c'est parce que les petites braquettes de con qui vont sur les plaquettes, des bouts de plaquettes, c'est parce qu'ils étaient pas à la bonne place, inversés, mal rentrés, peu importe, finalement. En tout cas, dans ce cas-là, c'était d'autres choses. Fait que c'est ça, pis là, ben, j'étais comment, on va pouvoir sortir une vidéo, man. Genre, pour, je sais pas quand, on est quand, dans le fond, jeudi, si je l'ai dit, vendredi.
pourrait sortir juste samedi. Il faudrait que j'aie une vidéo pour samedi, mais je pensais juste venir samedi dimanche. Fait que là, si je viens juste samedi dimanche, j'aurais pas de vidéo pour vous avant genre lundi. Fait qu'en tout cas, là je me suis dit je vais faire une vidéo aujourd'hui, mais je peux pas faire juste ça. Fait que là je fais quoi? Je fais quoi? Je vais aller changer, pas changer, mais enlever peut-être la tank de mon ancien Civic. Moi essayer ça pour voir. Il y en avait des affaires là-dedans. Dans le fond. Débloguer les fils ici dans dedans. Puis ben c'est ça, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est vrai qu'il est magané ce char-là, là. J'ai regardé ici là. Wesh. Wesh. La ligne à break et tout, man, est dégueulasse. Rien de fan. Vouloir changer ça, ça doit même pas être le fan. En tout cas, là, j'ai les straps de tank à gaz à défaire. Ok, ça a l'air super simple. Ça a l'air super simple. C'est juste une boat. Hein? Sauf que, là, je savais pour la défaire, man. Puis, j'ai fini avec tout ça. J'étais là, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, je regardais ça. Dans le fond, c'est la tank qui est accrochée, puis ici t'as une boat qui a l'air de rentrer dans le frame. Puis moi, dans le fond, ça a l'air qu'elle a arraché du frame. C'est pas super parce que ça, c'est ma poubelle noire. Il faudrait pas que ça arrive sur mon Civic rouge. C'est ça. Fait que là, je vais défaire celle-là. La tank est à terre. Sauf que là, le problème que j'ai, c'est que. Il y a la hausse de remplissage, puis l'autre hausse, je sais pas c'est quoi. Puis ça a tout pris là, pour les décoller. Là. Genre, il y a même plus de collet. Le collet qui a d'ailleurs cassé, mais c'est ça, il y a plus de collet, man. Ça prend tout pour les décoller. Là. Ce qui va le mieux, c'est des pinces de même, des pinces multiprises. Je l'ajuste au max. Mais ça, c'est ça. Normalement, c'est de même que je décolle les tuyaux, mais là, ceux-là, là. Ah, c'est des sales. Ah oui, ah oui, ah oui! Bon. Fait que dans le fond, ici, là, il y avait. Bon, ça, cette hose-là, elle reste de la tank à la tank, c'est chill. Ici, il y avait une hose qui est tout en haut. En arrière, c'est toute défaite, c'est chill. Puis là, il me reste les hoses de la pompe à gaz que j'ai pas défaite tantôt, mais aller par en dedans. Puis là, ici, je me rends pas tant vraiment. Bon, tantôt, c'est parce que. La hose, tu sais, celle-là, elle m'inquiète pas. L'autre, là, elle m'inquiète un peu, parce que je sais pas vraiment comment la défaire. Puis tantôt, elle était comme pognée ici, tout ce qui est mon doigt, là, elle était comme trop en dessous de ça. Fait que je me suis dit, bon, je dirais avec ça plus tard. Là, on est rendu plus tard. Fait qu'il reste carrément juste ça qui tient, là. Ça, c'est encore pas pire. Elle, là, je sais pas trop, je suis d'après moi, fallait. Je sais pas, dans le fond. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai peur qu'il me faut un outil spécial, mais j'ai peur de tout péter en même temps parce que. Ben parce que justement je sais pas comment ça marche là, j'ai l'impression qu'il faudrait que je pèse dans le trou là. Mais sûrement qu'il y en a un trou en dessous et tout, il faudrait que je pèse, je sais pas. J'ai goût de laisser ça de même pour asseoir. Peut-être laisser ça de même pour asseoir. Je vais repitcher mes quelques pièces là, dans le char. Puis c'est ça. En fait c'est ça, là je m'en venais pas faire une vidéo, mais là j'ai juste le goût de gamer. Je me suis dit, je game du lundi au vendredi à SnowRunner. Puis là, je trouvais ça triste pour vous parce que vous avez pas de vidéo. Puis là, je me sens mal parce qu'il s'est rien passé. Fait que je me dis, vas-tu vraiment sortir cette vidéo-là? Je sais pas. Mais c'est ça, j'ai quelques projets pour la fin de semaine, là. Rien de super excitant. Là. Je voulais juste, finir mon Civic rouge. Là. Faut que je réenlève les tie rods pour mettre mes boots de crémaillère, puis je sais pas trop ce que je voulais faire et tout là, peut-être mes bas joints du bas. Bref, j'ai goût de laisser ça de même puis aller gamer, mais en même temps je me dis il me reste deux hoses, je suis pas capable de faire mes deux hoses. Bon, allez vous checker sur internet, je pense. Bon, ça a l'air c'est super simple. Dans le fond, il faut que je pèse sur la partie là, il y en a l'autre en bas là, j'ai rien qu'à squeezer puis enlever ça, sauf que je suis pas capable de peser dessus parce que ma ligne est trop comme gonflée, rouillée. Là, j'ai enlevé comme toute la rouille là, puis ça marche encore pas. Puis là, j'essaie de peut-être gratter avec un tournevis dans le même dedans. Oh, je me suis aligné par la caméra, ça va mal. Tu sais, mon tournevis là, il rentre en dessous là, fait que je comprends pas. S'il rentre en dessous,
Ça veut dire qu'il y a de l'espace, mais s'il y a de l'espace, pourquoi que je suis pas capable de pousser dessus? Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas réussi. Je m'en fous, là. Même si j'aurais fini, j'aurais juste enlevé la tank, je l'aurais mis dans le garage, puis je l'aurais pas installé à soir, là. C'était pas ça le projet. En fait, je voulais juste me trouver un peu de contenu YouTube. Fait que c'était pas ça le projet, là. Donc, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!